Bonjour! Salut à tous! Alors aujourd'hui, on est 24 heures à peu près, un peu moins, ouais, avant le départ en Floride. On est actuellement dans notre appartement à Lyon et on est sur la préparation. Vous voyez que c'est un peu le bordel. Ça va être un sacré voyage. On va traverser l'Atlantique en avion et j'avoue que ça me fait très peur. On a mis à charger tous nos appareils électroniques. Voilà, y compris les caméras pour vous proposer un magnifique vlog, on vous filmera l'entrée dans l'avion et tout ce qu'on peut. Est-ce que tu réalises, là maintenant? Ouais, ça y est, je suis prêt, mais c'est vrai que ça fait bizarre et ça faisait bizarre jusqu'à il y a quelques jours. Quoi. Ouais. Bah moi je réalise toujours pas. En fait, dans ma tête, je sais qu'on a planifié ce voyage. Dans 2 jours, on sera à SeaWorld. Non. 3 jours, on sera à Busch Gardens. Et dans 4 jours, on sera à Universal. C'est ça. Ça fait trop bizarre. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a planifié ce voyage, mais pour une autre version de nous, vous voyez, dans un multivers annexe, et que nous, on n'ira jamais, quoi. Parce que ça fait un an et demi, quoi, qu'on planifie ce truc. Ouais. Et du coup, moi, je réalise, mais pas du tout, du tout, du tout. Mais je sens que je réaliserai quand on sera, genre, dans l'avion, tu vois, ou un truc comme ça. Donc, là, on va tester un nouveau format qui va sûrement vous plaire, oui. Justement. On va faire un truc un petit peu immersif, donc ça sera vraiment un suivi de notre séjour. On va essayer de faire le maximum parce que ça va épisode demander beaucoup épisode. De travail. Voilà, donc il y aura beaucoup d'épisodes. Donc là, c'est l'épisode 1 de la série, le départ. Exact. Et donc, bah, on va vous documenter jusqu'à notre arrivée à notre premier hôtel. C'est ça. Peut-être dans notre... Donc, on a pris un taxi avec chauffeur privé, vous verrez ça plus tard. Peut-être qu'on filmera, on verra depuis la fenêtre SeaWorld et tout ça, donc on verra bien. mais en tout cas, voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, il y aura un épisode sur SeaWorld, un épisode sur Busch Gardens, plusieurs épisodes sur Universal, dont leur parc aquatique. On a pris la GoPro, oui. On a une nouvelle carte SD. Une nouvelle attache GoPro pour le poignet. Avant, on empruntait celle de notre ami Loric, Spider Coaster, bisous à lui. Et du coup, on a acheté notre propre attache GoPro. 12 balles sur Amazon. Ouais, et super. Excellent. Ça a l'air très bon pour l'instant. Ouais. C'est pas du GoPro officiel, mais franchement, c'est moins cher. Ouais, et en plus, elle est rotative. Bien, ouais. Et donc, voilà, on a notre matériel. On a aussi l'attache ventrale. Mais c'est vrai qu'on va essayer de s'en servir un peu moins parce que souvent, c'est un peu trop bas pour les on-ride. Ouais. C'est pas très bien cadré. Et en plus, avec ça, on peut se faire une réaction de face. Et donc, voilà, là, on va avoir environ 600 gigas d'enregistrement. donc, ça devrait suffire pour le séjour. On a 256 gigas sur la GoPro. On a 256 gigas plus 64 gigas sur la caméra. Donc, ça sera juste pas en 4K parce que ça prend inutilement de la place. Oui. Et donc, même après, YouTube derrière, il supporte moins bien la 4K et tout. Ouais, on a souvent des problèmes avec les logiciels de montage aussi et tout complètement. Ça. Et... Bon, laissez tomber la 4K, c'est galère. Donc, désolé. Pour des petits vlogs, pourquoi pas, mais là, ça sera pas le cas. Donc voilà, désolé, on s'éparpille un peu. on est excité. C'est ça, donc Universal, je disais, vous aurez une partie sur Epic Universe. Non. Malheureusement, non. Bon, en tout cas, normalement, on devrait l'apercevoir, Epic Universe. Ça serait fou même d'apercevoir un coaster en test, parce qu'en ce moment, ça teste à mort, mais... On va pas trop demander. Donc il y aura un épisode sur Universal Studio Florida, un épisode sur Island of Adventure qui est leur deuxième parc. Ensuite Disney World, donc on va passer 6 jours à Disney World. Donc il y aura un épisode Epcot, Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios. Donc voilà le petit programme. Et pas le retour, parce que c'est un peu triste de documenter le retour, oui. Donc il n'y aura sûrement pas de... Ah oui, et j'en profite aussi pour tous ceux qui se demanderaient, et les chats, vos chats, parce que si vous ne savez pas, on a adopté 2 petits chats récemment, il y a 2 semaines. Donc nos chats, on ne les laisse pas tout seuls à Lyon, on les a confiés à ma maman, qui est habituée à s'occuper de chats, qui en a 2 chez elle déjà. Donc voilà, on les a confiés à ma mère, à qui on fait un bisou, parce que je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Et on fait des gros bisous à nos petits chats, on va leur ramener des petits cadeaux des États-Unis et surtout à notre petite Luna qui a une petite maladie en ce moment, mais je suis sûre qu'elle va guérir et puis on va la retrouver pleine forme. Concernant les valises, on va pas vous montrer tout le contenu, mais on va partir donc avec 2 valises de la taille maximale pour le voyage. Donc 158 cm de longueur, je sais plus comment ils appellent ça, linéaire, ouais, donc c'est en additionnant chaque longueur. Des valises, donc on a... des rubans pour pas les confondre sur les tapis, c'est quand même des valises relativement classiques. Une valise chacun en soi, mais en fait il y en a une avec globalement toutes nos affaires, tous nos vêtements. Ça c'est vêtements. Et une autre avec
le reste, ouais, les affaires et tout ça. Les affaires de toilette. Et celle-ci sera normalement à moitié vide, ce qui nous permettra de ramener quelques souvenirs. Alors malheureusement, on pourra pas ramener d'énormes choses, parce que bah non plus, bah voilà. Là, si on serre le tout, on a la moitié de l'espace, donc c'est pas énorme non plus, mais on pourra ramener quelques souvenirs, mais il faudra surtout ramener des petits souvenirs et ou des souvenirs souples comme des vêtements, voilà. Oh, on pourra ramener une peluche, mais je pense pas plus, parce que... une grosse peluche, après les petites peluches, ça n'a pas de soucis, mais... voilà. Et d'ailleurs, quand vous partez aux États-Unis, conseil, prenez bien des médicaments, parce que vous savez, aux États-Unis, il n'y a pas d'assurance maladie, tout ça, donc ça peut vite revenir cher si vous êtes malade. Donc prenez, si vous avez, je sais pas moi, de la fièvre, prenez du paracétamol, prenez vos médicaments habituels, évidemment, prenez du spasfon si vous avez mal au ventre, des trucs comme ça, parce que ça peut vite revenir cher, les problèmes de santé aux États-Unis. C'est un petit peu comme quand on part en croisière, pour ceux qui connaissent les consultations médicales, ça peut vite être de l'ordre de plus de $50. Donc, prévoyez. Et donc, pour le voyage, on aura aussi deux bagages cabine, donc un sac à dos chacun, qu'on aura deux valises, deux sacs à dos. Même si techniquement, on pourrait avoir quatre sacs à dos, je crois. Oui, ouais. Et même moi, je pourrais avoir un sac à main en plus. Et donc, petit résumé du vol, même si on aura le temps d'en parler plus tard et... Bon, désolé, là, le plan est pas très varié, parce que vous nous voyez tout le temps au même endroit en train de parler. Mais c'est nous qui avons peint les murs de la chambre. Donc, vous avez intérêt à dire des compliments sur la peinture. Et donc, on va voler avec Air Canada. On part de Lyon. Donc demain, on se lève à 5h pour partir aux alentours de 6h. Si possible, un petit peu avant 6h, ça serait parfait. On va prendre notre vol. Express. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un genre de tram. Une navette, ouais, un genre de... Tram, ouais. C'est une navette, mais sur rail, qui emmène directement depuis La Part-Dieu à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, ce qui est vachement pratique. Merci, la ville de Lyon. On prend un premier vol à 11h55, quelque chose comme ça. Ouais, il décolle à 11h55. Vers Montréal. Montréal ! Donc ça sera 8h10 de vol. Et ensuite, on aura une grosse escale de 4-5 heures à Montréal. Et ensuite, on a un vol de un peu moins de 4 heures, je crois, ouais, de Montréal vers Orlando. Et donc, on arrivera... Toujours vers Canada. On arrivera dans la soirée à Orlando, et donc c'est là qu'on aura notre sorte de taxi qui viendra nous chercher au dépose bagages, enfin, voilà, ouais. Et nous emmener à notre premier hôtel. Enfin, je dis bonjour, mais je vous ai déjà dit bonjour tout à l'heure. C'est juste que là, on est le jour du départ. Il est actuellement 5h22 du matin. Et on a un peu plus d'une demi-heure pour boucler les valises. Un peu moins même, parce qu'il vaudra mieux partir en 6h. C'est vrai. Comment tu as dormi ? On s'est couché très tôt. On s'est couché vers avant 22h. Ouais, vers 21h30. Ouais. ce qui me laissait genre 7h30 de ouais. Sommeil. Bon, je les ai pas eu, moi, perso. Ouais, au final, ça me rappelle un peu Fantasia Land. Ça, on vous en avait pas parlé dans notre vidéo Fantasia Land, mais on était tellement excités que... C'est ça. Les deux, trois nuits avant, impossible de dormir, ouais. Alors moi, ça m'a pas fait deux, trois nuits avant, mais cette nuit, j'ai clairement mis beaucoup de temps à m'endormir. J'ai fait des... Moi, je pense que j'ai moins dormi que toi, parce que je t'entendais dormir. Ouais, ouais. J'ai fait des micro-sommeils, en fait, où je faisais quelques périodes de sommeil, puis je me réveillais entre deux.
Mais on est quand même plein d'énergie, c'est ça les départs en vacances, hein, vous connaissez. Et je sens qu'on va s'effondrer quand on va arriver dans l'avion. Allez, c'est parti. I don't mind staying up all night, 'cause I came to get it right, and I won't leave without a fight. Out in the dark, nobody came for my rescue, and I won't come to rescue you. Out in the cold, you bring it on. Cette petite séquence est enregistrée bien un mois après, en tout cas le son est enregistré un mois après, parce que là on va faire un petit doublage en fait pour décrire ce qui a pu se passer et vous décrire un petit peu notre vol, parce que on n'avait pas trop envie de parler et de déranger tout le monde. Donc, comme vous l'aurez peut-être remarqué, on voyage en business class. Alors, on n'a pas acheté des billets en business avec Air Canada, mais en économique premium, qui est une classe spécifique à Air Canada. Mais comme l'avion n'était pas équipé d'économique premium, ils nous ont mis en business, ce qui était cool. On nous a donc offert des petites trousses de toilette, avec dedans, donc, il y avait des bas de contention, mais d'assez faible qualité, c'était plutôt des chaussettes. Ensuite, on avait un petit masque pour dormir, ça c'est vraiment pratique quand les autres ferment pas leurs volets. On avait un petit kit d'hygiène, de soins dentaires, voilà. Et des petits earplugs, donc des petits boules-quies. Et puis un petit savon d'une marque italienne, apparemment très bien. Ah oui, on avait aussi un petit chiffon pour les lunettes. Donc là, on nettoie la caméra. Et donc là ensuite on peut voir qu'on a une télécommande. Alors c'était un vieil avion, donc il n'y avait pas les jeux, les programmes étaient un peu étranges parce qu'ils étaient en train de transformer les aménagements en Air Canada, parce qu'avant c'était pas Air Canada. Par contre là on voit que le siège il est motorisé, hein, et on peut s'allonger complètement. On nous a également donné des petites crèmes et on était très contents, on pouvait on se cacher. Voilà. Alors là, je vais vous lui montrer quelque chose. Ça, c'est les connecteurs pour les écouteurs que je viens de montrer. Ouais. La lampe de lecture. Très pratique, j'ai pu lire avec, c'était vraiment agréable. Donc on avait également les boissons à volonté. Là, par exemple, vous avez du jus de cranberries ou de canneberge, comme disent les Québécois. C'était vraiment agréable. Et on avait également le repas végétarien. Voici nos plats. Donc j'ai demandé un plat végétarien. Des pâtes avec une sauce champignon, j'imagine, je sais pas trop. Ah, je suis pas trop fan de champignons, mais c'est pas grave. Au pire, on échange. Petite salade de fruits. Et moi, du coup, j'ai pris le repas indo-asiatique végétarien. Donc, ce qui a l'air d'être un petit dalle de lentilles corail avec un curry d'aubergine. On a du pain chaud. De la margarine à tartiner dessus. À mettre dans la petite salade verte et puis des fruits, ma foi, très jolis les fruits, j'espère que c'est des fraises canadiennes. Voilà. Et comme vous avez vu plus tôt, on a une eau jus de fruits, on nous propose très régulièrement des boissons. En fait, dans cet avion, c'est assez particulier, c'est un ancien avion qui est en train d'être conditionné pour Air Canada, et donc ça ressemble, c'est je pense mieux que ce qu'il y aura pour notre retour si on est dans un avion récent, parce que l'espace au niveau des pieds tout ça est énorme, on peut vraiment s'allonger, ce qui n'est pas le cas sur la classe économique privilège qu'on a pris. Donc économique privilège c'est mieux qu'économique, mais c'est pas non plus de la business, mais là franchement au niveau service et tout ça on est vraiment sur la business, même mieux que la business que j'ai pu faire Swissair.
Et là, on voit la côte, et donc on va quitter le continent. Et d'ailleurs, bon, c'est quasiment impossible que quelqu'un du staff de l'avion tombe sur cette vidéo, mais si c'est le cas, vraiment, ils sont tous vraiment adorables. Ils sont tous à l'écoute et ils satisfont toutes nos demandes. Donc franchement, bien joué à eux, c'est vraiment un service top qualité. Le vlog va bientôt toucher à sa fin. On va vous faire quand même un petit tour. Mais d'abord, on va vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Donc là, il est 22h30, 40. À Orlando. À Orlando. En France, il est 4h du matin. Donc, c'est-à-dire qu'on est réveillé depuis 24h à peu près. Et qu'en plus, on avait dormi genre 5h la veille. Donc là, on est un peu fatigué. On a volé, donc on a fait une escale à Montréal pendant quoi, 3h environ. Ouais, un truc comme ça. Et ensuite, on est reparti pour un petit vol jusqu'à Orlando. Ensuite, vous aurez vu les images. À l'aéroport, on voulait pas se prendre la tête à cette heure-ci, à 22h30. Enfin, ouais, 22h. Et on a fait appel à un chauffeur privé. Bon, c'est un peu cher. Hein. Mais bon, au moins, on a pu se casser la tête. Ouais. Il nous attendait au bagage. Il t'attend au bagage avec une pancarte avec ton nom écrit dessus. Voilà. Et il nous emmène où on veut. Donc, surtout que l'aéroport d'Orlando, il est immense. C'est énorme. On a même pas pris d'image, mais le hall, c'est n'importe quoi. C'est, bah, c'est américain. C'est... Ouais, il y a un drapeau géant et puis il y a 30 mètres de plafond. Imaginez-vous quelque chose, imaginez-vous un truc là. C'est plus grand, c'est encore plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Et là, du coup, ça fait vraiment bizarre. Alors, Marie a déjà fait une escale aux États-Unis. Moi, je suis déjà allé deux fois aux États-Unis, mais jamais en Floride. Et punaise, ce qui nous a fait un choc, on nous avait prévenu. La publicité. C'est un truc de fou. Tous les 300 mètres environon sur les routes, il y a des panneaux LED, ouais, c'est ça, avec des pubs, soit SeaWorld, soit Universal, soit Disney. Au passage, là, juste devant notre hôtel, il y a SeaWorld. Oh, ça va être un truc de dingue. Ah non, mais on est du mauvais côté. Malheureusement, on est du mauvais côté, mais c'est pas grave. Mais peut-être qu'on peut voir depuis. Si tu veux, on va regarder depuis l'hôtel, depuis notre fenêtre, peut-être. Franchement, c'est un truc de dingue, la skyline du bordel. Il y a des coasters de partout, une hauteur folle. Ça, on peut pas voir ça en Europe. Et dites-vous qu'on l'a vu que de nuit. Oui, mais on arrive devant le truc, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On est passé aussi à côté de Aquatica. Bon, on a juste vu une tour de toboggan. Aquatica, on n'ira pas. C'est un parc aquatique, mais on s'en fout un peu. Ouais, on fera d'autres parcs aquatiques. Mieux comme parc aquatique à faire. Et donc, voilà. Long trajet, bien fatigant. Là, on est dans une grande chambre d'hôtel. Ça a l'air bien. Le lit, c'est quoi, c'est du king size, ça? C'est un king size. Ouais. Voilà, parfait. Et donc, le lit, bah attendez, je vais tourner la caméra et on reprend. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous? Alors, bon, on a un micro-ondes. Il y a un frigo. Là, il y a une porte. Je pense qu'il vaut mieux pas le toucher. C'est peut-être un truc électrique. On va tellement pas s'en servir. Voilà, oui, classique. Bon, c'est toilette américain, c'est un peu chelou, c'est hyper bas, il y a une poignée là, enfin bon, c'est très chelou. Mais c'est pas pire que les toilettes allemandes, hein, ceux qui savent, savent. La salle de bain qui est quand même très chouette. Ouais. La douche est pas mal, c'est grande, très propre, ouais. C'est un hôtel partenaire SeaWorld, voilà, qui accueille à partir de 18 ans, parce que nous on n'a pas 21 ans et donc on n'est pas majeur ici. Donc il y a globalement en Floride un établissement sur deux qui considère les personnes de 18 ans comme majeures ou inversement. Voilà. Voilà, donc c'est l'avantage du grand lit. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode de notre péripétie en Floride. C'est le dépaysement total, l'humidité, la chaleur. Ah oui, ça c'est un truc de mal. On nous avait prévenu. Je sais pas si je vais pouvoir m'y faire. J'étais tombé il y a quelques jours sur un reel sur Instagram où il disait l'humidité qui te frappe dans la tronche quand t'arrives en Floride, et c'est vrai. À peine sorti de l'avion, juste, vous savez, il y a un tunnel un peu qui se connecte à l'avion. Et là, on sentait déjà un peu l'air extérieur. On a fait, oula, ah oui, c'est ça. Mmh. Et on a passé au total, je pense, moins d'une minute à l'extérieur. On était mouillé, mais pas de transpiration, vous juste l'eau. L'air est tellement. On a l'impression d'être. C'est vraiment comme si on respirait dans un sauna. Mmh. Il fait très chaud, extrêmement humide. Et en fait, en quelques secondes, l'eau ambiante se colle à votre peau. Je sais pas si je vais pouvoir m'y faire. C'est très particulier comme climat. Et évidemment, dès qu'on entre dans un
dans un bâtiment, comme par exemple l'hôtel ou l'aéroport, c'est climatisé à balles. On est rentré dans la chambre, il faisait 21 degrés, on a monté un peu la clim parce que c'est ou 70 degrés plutôt, on a mis 75 degrés. En Fahrenheit, parce que vraiment il fait froid. Et du coup, comme la clim aussi, ça assèche l'air, bah l'air est tout à fait normal, oui, il fait froid. Aussi. Et vraiment, ça c'est le cliché américain, mais ouais, t'alternes entre chaleur caniculaire et froid polaire. Donc on va voir si on tombe pas malade. Mais, c'est possible. Mais en tout cas, là, on a très hâte d'être demain. Demain, on fonce à SeaWorld. Ah ouais. L'hôtel, je crois, propose une navette, mais on va voir si on y va pas à pied. Enfin, ça dépend du timing. On a un petit déj offert, ça c'est cool. Offert, c'est bien. Donc, on va regarder les horaires de tout ça. SeaWorld ouvre normalement à 10h, je vais vérifier. Ferme normalement à 19h. Et donc, bah, on va y passer la journée. On a de quoi manger là-bas toute la journée parce qu'on a un abonnement pour la nourriture là-bas qu'on a eu en réduction à 30€ par personne, je crois. Fusil. Voilà, bah, c'est tout pour cette première partie. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. Franchement, là, Les 24 heures presque de trajet sans dormir. Et puis ça fait bizarre d'être sur un autre continent. Ouais, franchement, ça fait très bizarre et je réalise encore pas trop. Même si c'est la première fois, là, on était dans un genre de taxi et on est sur les grandes routes américaines. Alors j'ai déjà été sur les grandes routes américaines, mais très peu. Et avec tous les palmiers et tout ça, mais qui sont naturels, quoi. Ça voilà, fait trop bizarre. On est ailleurs, ouais. C'est un choc culturel en fait, malgré le fait que c'est un pays très proche culturellement du nôtre, c'est tout de même très différent. Et c'est la culture en fait du grand, du trop. Donc voilà, si vous voulez suivre notre aventure, c'est que le début. Si vous voulez suivre voilà, notre aventure dans cette gigantesque jungle de roller coaster et d'attractions, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à nous dire ce que vous avez pensé de ce petit vlog voyage qui est un peu différent de ce qu'on propose d'habitude, mais on s'est dit que ça peut être cool de documenter un peu le trajet. Et puis ben, n'hésitez pas à liker cette vidéo aussi si elle vous a plu, au-delà de nous dire qu'elle vous a plu, likez-la, ça serait cool. Et puis nous, on vous dit à très bientôt dans notre jumble. Salut.